Ashley. Bonsoir, je suis malade. Et bienvenue. Bienvenue sur Besoin de violence. Besoin de violence. Lors du dernier épisode, nous avons affronté le père Mendez et nous avons rutilé absolument tout ce qu'il avait à nous proposer et c'était très stylé. Je parlais à mon chat et j'expliquais que je préférais l'affrontement du jeu précédent, qui était plus libre, plus free fall, plus free fight for all. Mais qu'il était extrêmement stylé dans celui-là. C'est Louis, toujours dans le coin? Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Où est-ce qu'on va? Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao. Ok, bébé. Ok, Ashley. Louis a dit que... Je sais. Je suppose qu'on devrait y aller. It's a date! It's a date! Allons-y! La cour du château! Donc on va commencer à rencontrer les cultistes qui seront là. Matalo! Bap! Bap! Oh! Jamais plus! Jamais plus! Très bien. Let's go! Ceci est suspect de ouf, mais c'est pas grave. On va voir. Déjà, récupérons l'argent. Voilà. Le passage secret. Une boussole ancienne Afrique. Une telle quantité d'argent et rien sur lequel le dépenser, parce que malheureusement, quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Je ne suis pas intéressé par le fusil à pompe qu'il nous propose, mais je devrais peut-être upgrade. Bienvenue. Ouais, j'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Un Blacktail? Un pistolet compact aux performances... Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Si tôt dans le jeu, il me semblait que c'était un... Comment ça s'appelle? Il me semblait que c'était le meilleur pistolet et qu'on ne le récupérait qu'à partir de l'île, en fait. C'est pour ça. Et... Oh, et le mode fonctionne! Le Broken Butterfly Golden Edition! Ouh! Oh, bébé! Je vois que j'ai affaire à un connaisseur. La puissance, c'est bien, mais le rechargement, ça compte aussi. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Ah, quel amour! Le savoir est une arme. Ne l'oublie jamais. Quel régal. Je peux acheter 3 fois de la ferraille, oui. Fusil anti-émeu. Un Stingray. Fusil à semi-automatique à tir. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, là. C'est donc celui-ci, le fusil de ce jeu. Je sais pas comment ça... Je me souviens plus comment s'appelle le fusil dans le Resident Evil 4 original. Mais il faut savoir que j'ai jamais ou très très peu pris le super fusil. Je suis toujours resté au fusil de chasse à l'ancienne parce que il prend moins de place, il a la même, presque la même puissance d'attaque. Alors, il a pas la même cadence de tir, c'est sûr. Mais en termes de sexe, le pistolet est meilleur. Par contre, celui-ci, il faudra peut-être s'y mettre. Hein. Faudra peut-être s'y mettre. Le Blacktail, j'hésite, hein, parce que d'un côté le Red 9, quoi. D'un côté le Red 9, tu vois, le Red 9 qui est imbloquable. Imbloquable. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous montrer aussi... Être méticuleux jusque dans les moindres détails. C'est le secret. Les différentes armes. Alors, jamais augmenter la capacité du Broken Butterfly. Tu m'expliques comment tu fais rentrer 8 balles dans un pistolet à bariller. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. T'augmentes la taille du barillet? Oui, mais tu peux... Enfin, voilà, il faut pousser plus fort. Là, tu peux pas, si tu veux. Faut pousser, madame, pousser. Rechargement, charger 2 cartouches à la fois, c'est honteux. Oh, ça, c'est...
perk. 2,10 de puissance pour le Red Knight, le Red Knight à fond. Une seconde de rechargement. Ouais. Ça pourrait valoir la peine. Ma marchandise est en parfait état, je te le promets. Ça pourrait valoir la peine. Oh, j'ai toujours des plans. J'achète tout et n'importe quoi. Une pipe, une broche, une yellow corrompue, une boussole ancienne. Et pour l'instant, je vais garder ce que j'ai. Étranger. Oh. Je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Ouais, ça, t'en auras pour ton argent. Je te le garantis. Tu peux comparer les stats. Oui, mais bien sûr, mais le truc, c'est que Red Nine est amélioré à fond, donc... Black Tail est meilleur pour tout. Sauf pour la puissance. Ultimement, hein, je veux bien croire que le Black Tail est meilleur que le Red Nine. Mais le Red Nine a besoin de son amélioration ultime pour briller, si tu veux. Oh. Allez, va. Allez. Voilà une arme à feu exemplaire, étranger. Pas la meilleure, certes, mais elle fera certainement un compagnon idéal. Allez, on se l'accorde. Est-ce que ce sera tout? On se l'accorde. On peut même, pour 14 000, mettre la puissance à jour. Une arme modifiée permet de compenser un manque de... C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. Pas besoin de plus. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Ah, par contre, il peut pas se mettre sur le Black Tail, comment, le pointeur laser? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Oh. Il vaut mieux pas que tu le saches. Mallette en cuir, fait apparaître des herbes rouges plus souvent. Ticket d'amélioration spéciale. Donne accès à l'amélioration spéciale d'une arme, quel qu'en soit le niveau. Ouh! Pardon, excuse-moi. Ouh! Disais-je. Intéressant. J'ai plein. Reviens quand tu veux, surtout. Oui, on y travaille. Alors, tout d'abord, le Magnum. Bah, mais c'est le pistolet, le tueur de loups de Resident Evil 8. Absolument, il est modé et matez-moi cette putain de merveille de fils de pute. Blablabla. Du miel. Comment je crée des munitions de Magnum? 16 poudres et un métal. Laisse-moi réfléchir. 16, 4. Ah, il m'en manque une. Il me manque une poudre et je pourrais le faire deux fois. Et je peux faire 6 balles de Magnum. La bonté. La bonté. On pointe pas le canon vers soi. Il est vide, casse pas les couilles. 5 poudres, munitions de fusil 14, un fois 2, très bien. Le Black Tail est tout petit. Ha! Vraiment une arme compacte. Le meilleur pistolet dans Resident Evil 1. Enfin, meilleur pistolet. Argumentativement, bien sûr, mais... confortable, effectivement. Effectivement. Léger, confortable, petit. Avantageux. Eh bien, écoute. Le coffre. On va mettre... voilà. Malheureusement, hop, on le reprendra plus tard. Un peu d'inventory management dans ce monde de brut. La disposition la plus jolie, mais bon, ça fait le taf. Voilà, très bien. Excellent. Tu prends pas la carte au trésor du château? Bienvenue. Si. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour 3 spinels, ça vaut la peine. Il y a toutes sortes de bibelots. Elle va pas te faire tuer, hein? Merci. Ah. J'adore comme il se marre. Est-ce que ça s'ouvre? C'est une nouvelle caisse? Non, c'est pas les nouvelles caisses. Très bien. Où sont les trésors? Il y en a plein. Très bien. Let's go. Oh oh. C'est allumé. Et là, c'est éteint. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah, je peux pas aller voir Ashley. Merde, bon, tant pis. Ouais, je vois que vous voulez que je regarde ça. Très bien. C'est quoi, ça? À mon avis, c'est pas là pour faire joli. Une catapulte à l'ancienne,
La cour doit être derrière cette porte. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. Le cultiste. Très bien. Ouh. Des arbalètes, hein? Il y a quelque chose qui me dit qu'ils sont pas très amicaux. C'est une meuf? Ah! Ah! Une meuf cultiste, eh! Eh ben, c'est de mieux en mieux. C'est bien la première fois. Allons-y. Par rapport au jeu précédent, j'entends. Oui, j'ai failli faire l'erreur. Ouh, oui. Ouh ! Ok. Ah ouais ! D'accord, ça a l'air... une grosse bambouserie, hein. Allons-y. Gloria. Bonjour. J'ai un très gros canon. C'était pas aussi sexy que le précédent jeu. Mais ça me fait toujours un peu quelque chose, hein. Quand il craque le flingue, qu'il met les balles. Par contre, je me demande, si tu tires deux coups, il met deux balles. Mais si tu tires six coups, est-ce qu'il met les six balles? Ça, c'est la vraie question que j'ai, tu vois. Ah oh là là, on ne le saura que lorsque j'aurai vidé... Mon broken butterfly. Ah, voilà les nouveaux pots, donc très bien. Très bien, très bien. Et oui, on n'en a pas parlé de ce truc, mais oui, ça me fait ça moi aussi quand je me retiens de chier pendant trop longtemps. Allons-y. Ça lag un peu. Il va falloir test Bob, c'est pas. J'ai peur que ce soit vrai. You know what? Oh putain de merde. Oh putain. Oh. Ça va pas l'air d'être le meilleur endroit. Faisons le pistolet simple. Boy.
Pas mal. Allez, viens. On envahit le château. Un accueil aussi chaleureux. Ouh ! Dégage. Chier, je t'ai vu. Ah, tu pourrais aller comme ça. Éloigne-toi. Viens. Ok. Ah putain, je suis dedans. Merci. De rien. Couvert, couvert. Putain. Ah, c'est fermé. De sortir. Censé me rendre de fait, parce que là c'est la panique un peu. Ah, j'ai raté un trésor, bah merde alors. Blablabla. J'ai rien, j'ai juste mal. Ouh, d'accord. Ça, 1 sur 6. Classe. Merci. Chier. Trop fort. 3 sur 6, merci. Chier. Ok. En dessous. Descends. Réceptionne. D'accord, pas besoin. Ok. Sur ma droite, un trésor. Potentiellement, en face de l'argent. De là.
bonjour. Ok. Je laisse volontairement la dernière catapulte. Oh, un bracelet, Léon. Mais c'est pour l'aspect kino. Bah touche. Merci. Où est le dernier symbole, du coup, je ne le saurais pas. Tant pis. À distance. Encore une fois, paye ça, fumier! Ça a marché. C'est ouvert. Je préviens la prochaine fois. Où est l'excuse me, princess? Alors, où est le dernier emblème? Il existe un sixième emblème Binyu. Un sixième emblème Binyu. Je pense pas qu'il soit si loin. Par là peut-être ? Je ne le vois pas. Ah ah ! Le voilà ! Le voici. Hey hey boy ! Excellent ! Parfait. Mes excuses. Hein. Viens. Allez, viens. Ok. Là, il y a un trésor. Le voici. Bim, bim. Excellent. Avançons. Quand même, on a eu de la chance d'avoir tous les emblèmes de manière organique, hein, plutôt que de faire des allers-retours inutiles. Bon, j'aime pas cette grande cour, mais allons-y. Pauvre, il faut faire plus de sport. Allez. Waouh, avec les chandeliers de statues renversées. Oh,
regarde cet endroit. Bon, c'est vieux, mais... Ashley, garde tes préférences sexuelles pour toi, puce. Ah, à ce que je vois, tu t'es chargé d'une roquette. Beau travail. Je ne savais même pas qu'il s'agissait d'une roquette, mon grand, mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Il faudrait que j'améliore le couteau un jour. Hein. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Vous en faites pas, j'enlèverai le mode pour qu'on voie la gueule du Broken Butterfly aussi, mais ça fait tellement envie. Ça fait tellement envie. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Le Stingray m'intéresse pas, le Lance-Carreau m'intéresse pas. Reviens quand tu... Voyons voir. Objet clé et trésor. Alors, 7000 pesetas, 5000 pesetas. Donc ça, ça vaut cher, le calice de l'expiation. On peut y insérer des pierres précieuses. Et ça, un bracelet élégant pour 5000 pepetas. Et je crois que si on met 3 couleurs différentes, ça fait plein d'argent. Voilà, bonus couleur 1,3. Je me souviens plus quel est le code pour les couleurs et tout le reste, mais... Regarde les combos de pierre, pitié. Ah, quand tu mets les mêmes, c'est mieux. 1,4. Oh. Oui, oui, oui. Shift. Ah, effectivement. Duo et trio, 1,8, 5 fois. Mais je vais en mettre que 3. Donc, ouais, 3 fois la même couleur pour le maximum de pognon. Oh. Personnellement, ça permet de mieler ça un peu. Ensuite, bracelet élégant, ça, oh, masque élégant, certir. Maximo couleur. Pas mal. Bracelet élégant, certir. Double caillou. Duo, c'est x2 et ça, de couleur. D'accord, okay. Voilà. Maximum certis. Oh là 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 là. Merde, je vais pas faire ça. C'est quoi ça? C'est un béryl? Garde les béryls! C'est quoi le béryl? C'est lequel? Tout est mystérieux. Écoute. En l'état, béryl, c'est les rouges. D'accord. Non, mais... Bon, en tout cas, ça, ça et ça, ils me disent c'est vendable. D'accord, les jetons, on peut les garder. Mais okay. Surtout. Bienvenue. Welcome. Oup. L'œil de verre. Bah, je le donne. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. J'ai $28,000. Merci. Les bleus velours. Une affaire bien conclue. Toutes les armes, c'est gardé. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? 1,90, c'est pas dégueulasse. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. En quoi puis-je t'être utile? Pardon, le plaisir. Béryl rouge, 24. Non, moi je voudrais le... Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Je veux quand le ticket d'or. Ce qu'il faut, on pourra discuter. Et va pas te faire tuer, hein? Je veux le ticket d'or, brave Jean, le ticket d'or. Voyons voir. Regardez. Coffre. Je réfléchis à ce que j'allais faire, moi, Jean. Vous en faites pas, vous en faites pas.
Vends les armes dont tu ne sers pas. Non. Je refuse. Daga Kotowaru. Ok. Mission de mitraillette. Non. Écoute. Hein. Oh! Utsukushi! Olewa. Olewa, Utsukushi. Waouh, ouais, mais qui manipule la machine à fumer? Qu'est-ce que... Ouf. Alors déjà, un, il y a un trésor. Deux, il y a un trésor. Mais qui manipule les machines à fumer? Bon. Allons-y. Soyez les bienvenus dans mon château. Ah. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste? Moi, je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle reste avec moi. Oh. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin d'elle. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître, sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas? Jamais! C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. Ah ! Léo ? T'éloigne pas. Éloigne-toi ! Éloigne-toi ! Compris. Ah, bien joué. Ah putain. Recharge. Je vais te sauver. Dès que j'arrive à la voir. C'est bon, il est mort. Ouais, ça va. Bon, écoutez. Technique secrète, Pokéball, go! Maximum pénétration. Ouh! Tout va bien? Ouais, t'inquiète. C'était moins classe que ce que je pensais, j'en ai pris plus dans la gueule. Mais le degré de violence était acceptable. Ouh. Désolé, Ashley s'est fait capturer, brave Jean, j'ai paniqué. Ok. L'IA d'Ashley dans le jeu, elle est vraiment pas là. Qu'est-ce que... Ah, il va me falloir un objet magique. Ça. On a senti passer toute la démocratie américaine, hein, j'avoue. Là, il y a une serrure. Il y a un pot. Par ici. Ça marche. Oui. Hop. Sois prudente. C'est ouvert. Aimable.
de l'herbe jaune. Pim, 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 pim. Et encore un trésor. Putain. Par où on accède à tout ce pognon? Bon. C'est vexant! C'est frustrant! Bon. On avance par là ou pas? Non, bien sûr. Trop simple. Ce serait trop simple. Ok. Un flacon de parfum chic! Ma grand-mère en avait un pareil. Voilà. Allez. Un rubis. Ensuite, il faut monter par au-dessus. Donc monter par là, mais ça me permet pas de monter pas partout ou par là. J'espère que ce sera possible de revenir ici. Oh, voilà. On doit sans doute pouvoir continuer par là. Sois prudent. Du gardien. J'ai de nouveau été réveillé au beau milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol, des bruits de griffes contre les murs, de pierres accompagnées de grognements glaçants. Cet homme nourrit une telle haine qu'il pourrait détruire le monde. Il servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau, tout comme son père et son grand-père avant lui. C'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de sa famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail, il le faisait bien, il était doué pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître, et lorsqu'il l'emmena dans les cachots, non, je ne peux écrire cela, c'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qu'il s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Je dois le nourrir et nettoyer la crasse, tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je ne peux tolérer une nuit de plus dans ce château. Je partirai demain, aussi loin qu'il le faudra, pour ne plus entendre cette voix. Ok. Ok, c'est bon. Ok. C'était quoi? Il y a des animaux ici? Seulement des Espagnols. Reste proche. Muerto la luz. À mort la lumière. Clé du cachot. Blablabla. Situation qu'elle est formidable. Encore une mission pour le fidèle couteau.
Petit. Dur, hein? Je comprends. Eh ouais. Donc. Des balles. Très bien, là, il y a une manivelle. Donc, il y avait moyen de le fuir pendant qu'il était au bout. De l'argent, des choses cassées. J'ai raté autre chose. Des balles et un trésor, un peu plus tôt. Apparemment, non, c'est au-dessus. Oui, c'est au-dessus, donc redescends. Très bien. Des balles juste derrière moi. À 8 heures. Voilà, très bien. Ok. Attends, ça dit que je peux... Ah non, il faut que j'en monte. Mais excuse. Voilà. Quand même, hein, le McDom, c'est un autre monde. Hein. De la poudre noire, c'est toujours bien. Si on y réfléchit, les vases vont être certainement plus chers que les pièces que tu trouves dedans. Ashley, reste loin de moi, c'est le Covid. C'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé en bas ? Rien. Mais t'avais raison pour les animaux. Excellent. Donc très bien. Et ça va me faire monter ou descendre? On est sûr que ça me fasse monter à l'étage là où il y a tous les trésors. Tout va bien? Ça va. Du moins, pour l'instant. Ça touche. T'y arrives, choupette? Pas bien. Voyons voir. Plein de trésors dans cette boîte à sable. Là, une herbe verte. Là, un truc. Là, une spinelle. Là, du fric. Un jeton d'argent. J'ai tout eu. Ça, le trésor. À partir de là, on peut aller là et rafler tout le pactole. Excellent. T'es pas la fille du président? T'es pas genre habitué à une villa énorme d'un politicien super riche dans un endroit ultra coté derrière un quartier
un quartier sous clé et protégé par des vigiles? Genre, t'as jamais visité la Maison Blanche? C'est-à-dire, c'est joli, tu sais, mais c'est pas 3-4 tableaux. Non? Bon, d'accord. Peut-être qu'elle est restée simple dans sa ferme au Kentucky. Qui peut réellement le dire? Épée rouillée, épée dorée. Et épée de fer. Il manque une épée, elles ne sont pas dans le bon ordre. Très bien. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois. Excellent. Parfait. Quand même, une de ces épées serait bien utile. Épée ensanglantée, ça attendra quelques instants, bien sûr. Hop ! La balle. Pardon, ça m'amuse. Excellent. Fais voir, c'est un objet de quête qu'on a genre pendant une demi-seconde, mais... Ah, le sang est mal fait dessus. À quoi ça sert, ça? Certainement pas à combattre. C'est seulement une réplique. L'épée dorée. L'épée rouillée. Et l'épée de fer. Ok. Dommage, ça marche pas. Où ça, ça s'ouvre, ça? Oh oui. De la poudre. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ouais. Allons-y. Alors, bon. J'ose imaginer qu'il y a des streamers ou des joueurs qui en ont chié sur cette énigme. Enfin. Ces reliefs. Qu'ils ont l'air de raconter une histoire. Bébé, s'il te plaît, bébé. Merci. Voilà. Oh, vraiment, t'avais raison. Bien. Donc. Exactement. Un bracelet en or. Ça riche, ça riche. Ah, je peux plus enfoncer les pièces. Il manque le schnick. Ok, d'accord, je peux traverser là. C'est la même pièce que tout à l'heure, non? On a dû tourner en rond. Non, mais t'es caté. T'es caté, choupette, déjà. Boop. Voilà qui règle la question. Ensuite. Ensuite, il y a un trésor en dessous de nous. Il faudra penser à le récupérer. Enfin, là, il y a le daim. En face, il y a le piaf. Manque le serpent. Où est le schnick? Grande question. Qu'est-ce qu'il prend? Surtout, essaye pas de faire ce que je fais. Moi? Ça risque pas. Excellent. Donc là, choupette et dragon. Est-ce qu'il y a possibilité d'atteindre les deux de là? Ça n'a pas l'air. Je m'occupe de celui-là. Ah bah. Eh ben good. Ça va pas ou quoi? Ça
sauter sur des chandeliers. C'est quoi cette... Tu te prends pour ma mère? Malheureusement, ça, ça qui est bleu. Très bien. Jamais, adios. Yes. Un maximum de fric. Parfait. Et là maintenant, en face, un trésor là et un trésor là. Là parce que je n'ai pas la clé. Et là parce que je n'ai pas la clé non plus. Ou alors ça demande quelque chose que je n'ai pas. Ça demande quelque chose que je n'ai pas. Très bien. Bon, bon, là qui règle la question. De fait, faisons une pause chez le marchand. Y a pas de raison. Ah, la pause est finie, je suppose. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Très ferraille. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Comme neuf. Merci. Ah, 36 000 balles, hein. On va vendre le flacon, le parfum chic, le bleu velours, le bracelet en or. J'achète tout et n'importe quoi. Étranger. Oh. Je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Je garde les rubis et les trucs certis parce que... Est-ce que ce sera tout? On sait jamais le moment où on peut tomber sur quelque chose d'encore plus friqué. Et on peut augmenter on la taille du pénis. On commence à bien cerner tes goûts et fais bonne route. Excellent. Bien. Allons-y. Me laisse pas. Ça va, ça va. Bob, c'est quoi le scénario? Sauver la fille du putain de président des États-Unis qui est poursuivi par des cultistes espagnols à tentacules dirigés par un fan de BDSM de 22 ans qui a un chapeau de Napoléon. Merci le chat. Gros résumé de... Des meufs à poil! Enfin! Merci! Voilà! L'Espagne! Allons-y. Alors. Meuf à l'envers, ça c'est très classe. Très bien. Des balles. Salutations, Monsieur Kennedy. Êtes-vous enfin prêt à livrer la fille? Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. Pardon. J'essaie de lui péter les oreilles. Allons-y. L'histoire du proche chevalier qui protège la princesse. Tant qu'il n'y a pas la Gatling, moi ça me va. Je me souviens de la face de la Gatling par ici et c'est d'une violence sans nom. Alors. Super, ça nous permet de... Voilà, déjà. Ensuite, droite, tout droit et là. Là, c'est ouvert. C'est du fric. Les parasites et leur écologie, volume 2. Il existe des parasites capables de contrôler leurs hôtes. Bien que ce soit un fait bien connu de la plupart des biologistes, on ne sait pas grand-chose sur la façon dont ces organismes opèrent. Voici une liste de plusieurs de ces parasites.
Dicrocoelium. Lorsque les larves de ce parasite migrent vers le ganglion nerveux sous-œsophagien d'une fourmi, ils altèrent son comportement. Quand la température baisse le soir, pendant les heures de pâturage, la fourmi infectée grimpe au sommet d'une plante et s'accroche à une feuille à l'aide de sa mandibule dans l'intention d'être mangée. Galactosomum. Les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons, comme la céréole. Une fois infecté, l'animal remonte vers la surface de l'eau où il nage jusqu'à se faire dévorer par des oiseaux marins. Leucochloridium. Les sporocystes de ce parasite se développent dans les tentacules oculaires de l'escargot, stylé, où ils bougent comme des vers. Ils altèrent le comportement du gastéropode et le forcent à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être bien en vue des oiseaux. Une fois avalé par un volatile, le parasite termine sa métamorphose et passe au stade adulte. C'est stylé. Enfin, moi je le savais déjà, mais la manière dont c'est décrit est très stylé. Et là, il y a un trésor en face. C'est fermé. Alors, paraît-il, il y a un glitch. Tant pis. Ça s'ouvre pas. Non, j'y arrive pas. Il y a un glitch de speedrunner apparemment qu'on m'avait montré. Ah putain. Et en fait, quand tu mets le fusil comme ça, ça te fait reculer. Et en fait, ça fait reculer Léon d'un micro pas. Tu vois, comme tu peux le voir, ça le déplace là sur la dalle. Tu vois. Et en fait, ça permet de passer à travers la porte et d'ouvrir la porte. Et en fait, l'animation glitch et tu ouvres la porte de l'autre côté. Tant pis. Reste près de moi. Ok. Messieurs les cultistes, je tire le premier. D'accord, ça n'a pas l'air de les avoir vexés. Excellent. Excellent. Où est le problème finalement ? Léon, ils sont là. Ah, le divertissement. Ah, bonjour. Attention. Ça tue. J'arrive pas à voir vos jambes, c'est chiant. Allez. Ouh. Ça stop. Ouh. Ouh. Raté. Ouh. Ashley. Ah, elle s'est pris l'âge du coup, lol. Non, ça va. Ouh. 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 Ah. Putain, j'ai fait la parade, mais j'ai pas pu. Oups. En voilà un problème. Attendez, laissez-moi regarder l'herbe jaune parce qu'on n'a jamais eu le temps de prendre bien le temps de la regarder. Oh, on dirait de la sauge. Excellent. Muy bien. Des carabistouilles. Bonjour madame. Ouh, au revoir madame. Je récupère le bordel, hein.
Parce qu'on les entend prier, mais on n'en voit pas plus, hein. Sont sensibles pareil au flash eux, ou bien? Oui, la réponse est oui, Dieu merci. Oups. Par la case départ, touchez 20 000 pesetas. Petit, encore. Allez. Ah là, merci. Ah ouh. Reload. J'offre toujours les angles les plus cinématiques pour les rechargements. Mais c'est pas nécessaire, mais ça te met en danger. Je sais. L'aqua splash ici, il est un peu dégueulasse. Alors, on récupère toutes les munitions, de toutes les balles, de tout l'amour. On n'a toujours pas les manivelles, ni pour nous. Ouh, un volant doré. Yeah. Ça peut faire l'affaire. Là. Choupette, j'ai fait ça toute la journée, tu veux bien Ok. J'ai eu le temps. Raté. Attends, lui, il vient chercher les emmerdes. Viens te battre, Pedro! Ah, aïe. Oh, un coup de bouclier. Intelligent, ça. Et t'as des vraies attaques? Ouh! Arme égale! Le couteau! J'ai pas raté de trésor, non? Où ça? Là, tu veux dire? Wow. Monta! Pas mal, hein? Ouah, ah, la vache! Ok, je pensais pouvoir le barrer. Allô! Mon omoplate d'Achille. Abattu. Je suis dégoûté. Je voulais faire une parade au couteau de la serpe, mais j'ai pas pu.
Bon, ok, pouf pouf. Excuse, brave Jean. On fait ça de manière rapide et efficace. Hop. Ça devrait faire l'affaire. Et ça apprendra à vouloir jouer le spectacle, voyez. Le spectacle. Les petites crises cardiaques à Ashley. Ah, ça a même pas détruit le pot, lol. Voilà. Je suis en train d'inspecter. J'ai raté les choses. Non, on se casse. Des balles de pistolet, excellent. Bon, ce coup-ci, je me laisse pas avoir. Au moindre signe de trouble, je laisse libre cours à la violence. Pacifié avec succès. Ah. Bientôt, mes chéris, bientôt. Bientôt. On n'est pas encore tiré d'affaire. Ah mais c'est la salle de l'eau. Ah mais putain, mais... Au secours. Au secours. Molto pognon.
Elle m'a fait peur. Le bruit du jeu et la tête d'Ashley qui pop d'un coup. On fait sursauter les mecs, vous imaginez même pas. D'accord, tout leur pognon est là en fait. T'avais pas remarqué que c'était le Waterhall? Bah je pensais qu'il arriverait plus tard, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Nous assurons la situation. Très bien. Avant d'avancer et d'augmenter le taux de violence que nous allons subir... Déjà, il est bien pété le couteau de combat. Bien pété. Bouc, bouc. Bouc. Hey, 2200 PCTA, c'est 5 balles. Ça valait la peine de faire l'aller-retour. C'est pas rien. Un peu too much là, non, tu crois pas? Allez, courage! Premier on te surveille! Ça va aller? Ouais, je vais y arriver, attends! Léo! Je te couvre! T'arrêtes pas! Ça coupe! Ça coupe! Ça couvre! Ça couvre! La couverture sociale est maximale! Reload! Messieurs, bonjour! Pour nous satisfaire avec un coup d'épée! Désolé, j'ai glissé. Un coup d'épée! Tiens bon, je vais t'aider! Foutez-moi la paix! Ah non! Ah, ça perce mon gars! Ah, ça perce mon gars! Ah, ça touche mon gars! Oh, à la parade du dernier moment! Ouh! Merde! Chier, 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 recharge. Joli! Merci! Attention, il y a un espagnol derrière toi là! Fuck, fuck. Alors. Allez, 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 allez. C'est bon. Là. Ok, attention. Ah, la tension sexe. Ouh, joli. Pardon. Mais cette scène avec Léo qui cherche des petits boulons comme ça, et tu sais, il les plie en mode avec ses doigts en mode... Allez, il prend la forme de balle, il prend la deux proues, t'as la poudre qui tombe par terre, et il a. Tu sais, il est en train de mettre la poudre. Allez, 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 allez. Tu sais, il visse les balles. Après, une balle, deux balles, trois balles, trois balles, quatre balles. Merde, 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 merde. Oh putain. 5 balles, c'est bon, je le tiens bleu. C'est bon. Toute cette scène de cartoon. Pardon, mais moi je veux le voir animé, ça. Je veux vraiment le voir animé.
sais, c'est comme le mec qui perd ses clés dans Zombieland, tu vois. Merde, putain, force spéciale. Mais c'est surtout le fait que le gars, il fait ça comme dans le clip du flic indien, tu sais, le mec qui récupère les balles à la main, puis tu sais qu'il les fusionne en les pressant fort et ça fait une grenade, tu vois. Enfin, le gars, il s'en... Ah, putain. Ah. Ah, bah oui, écoutez. Off. Écoute, Ashley. Reste près de moi. Viens là. Tout va bien. Pas Ashley. Trop près. Voilà, pas trop. Attends. Près quand même. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va? Ouais. J'ai rien. Ok, allons-y. Ah putain, bah j'aurais bien ri. Ouh. Viens. Compris. Double argent, plein de pépétas. Un peu de lag. Ashley, tu t'en remets? Ashley. Là, voilà, c'est bien. Si tu fais une attaque avant que je te ramène au président, je serai pas payé. Ouais. Très bien. Bah alors. Ah. Non, c'est par ici. Ok. Et essaie de pas te faire kidnapper, hein. Te chie pas dessus, hein. Je compte sur toi, choupette, hein. Ouais. Hey. T'es sûr que ça va? Ouais. Éloigne-toi un peu quand même. Le Covid roude. Allons-y. Ça a l'air d'être ici. Ça va? Je crois. Au lieu de t'inquiéter pour elle, inquiète-toi plutôt pour toi. Wap. Pauvre petit agneau. Aou. Retiens-toi, mon enfant. Ashley. Ashley, tu t'es auto-kidnappé. Attends. Toi-même, Ashley. Putain. Elle s'est kidnappée toute seule, putain. Merde. Et en plus, elle m'a paumé mon couteau. Mais putain. T'es là? Te fais pas kidnapper, hein. Et je me tiens en otage. Mais... Woman.